che il segreto della pizza buona a Napoli è l'acqua, e questo viene buona la pizza. La mozzarella di bufala, il pomodoro del San Marzano, sono ingredienti napoletani. Ma la pizza è nata qua, no? Perché è nata qua la pizza. Ed è il piatto migliore che c'è in Europa, insieme alla mozzarella. Mon grand-père est arrivé d'Italie en 1897. C'était un immigré. Et c'est là que tout a commencé. Il a été parrainé par quelqu'un qui l'a embauché comme commis dans l'épicerie de son restaurant de Spring Street. En 1905, cet homme a pris sa retraite et est rentré en Italie. Il a laissé le restaurant à mon grand-père en lui disant « Il est à toi, mais il faudra que tu me rachètes l'immeuble et la société. Tu m'enverras l'argent en Italie. » Et mon grand-père a été le premier aux États-Unis à demander une licence pour la vente des pizzas. C'est une invention vieille comme la roue, un disque de pain et les restes de la veille passés au four. Mais pour la famille de Gennaro Lombardi, la pizza, c'est toute leur vie. Une famille italienne comme tant d'autres qui a fui la misère de Naples pour l'Amérique des immigrants, pour New York et les usines de Little Italy. Ça ressemblait à une pâte de pain français sur laquelle il mettait des tomates et des oignons. Mon grand-père, qui était un génie, s'est dit « Je peux me faire beaucoup d'argent en vendant des pizzas aux ouvriers des usines de Soho. » Lorsque les gens partaient travailler le matin, mon grand-père mettait son étal devant son épicerie et criait « Pizza à 2 cents, bien emballée. Gardez-les au chaud sur les radiateurs de votre usine. » Ces images de la famille Lombardi sont exceptionnelles. En 1947, personne ne filme de pizza, c'est un plat trop simple, trop pauvre. Fromage d'abord, sauce tomate ensuite. Don Gennaro a des habitudes qu'aucun pizzaiolo napolitain ne lui pardonnerait. Mais la pizza est un plat qui s'adapte. C'était il y a un siècle, bien avant que la pizza ne devienne le plat universel. C'est si bon, fantastique. Tout d'un coup, je me suis senti aux États-Unis. Mais j'ignorais que la pizza venait d'Italie. À l'époque, je croyais que c'était un plat américain. Quattro formaggi. Ici, rien n'a vraiment changé depuis le départ des immigrés il y a 100 ans. Dans les villages au sud de Naples, agriculteurs, pêcheurs, familles, tous se retrouvent régulièrement autour de la table et de la pâte. Chez nous, c'est une tradition. On fait la pizza à la maison depuis que je suis né, depuis toujours. Mais il ne faut pas la manger seule. C'est mieux si on est à plusieurs. Chi era questo qua? È un amico mio. È un maiale che è diventato amico mio, però poi abbiamo litigato. E le... Nella casa di famiglia Illiano, là nei pressi del pergolato, con il forno di casa nostrana, si fa pizza napoletana. Le rituel a beau se répéter chaque week-end, le plat qui s'offre ainsi a quelque chose d'éternel. L'homme devant son four, préparant la sacro-sainte pâte, réunissant l'eau, l'air, le feu et le blé sorti de la terre. Lorsque le Seigneur apparut à Abraham, au chêne de Mamré, Abraham dit à sa femme Sarah, pétris trois mesures de fleurs de farine. Fais de la pâte,
et fait cuire des fougasses sur les pierres chaudes. Nous sommes en 1800 avant Jésus-Christ. On apprend donc dans la Bible que déjà à l'époque il y avait cette tradition. Bien entendu, tout cela était simple, rudimentaire. Mais avec le temps, cela a évolué jusqu'à en arriver à notre four contemporain. Tout près de Naples, Pompéi. Ce qui est agaçant, disent les guides, c'est que tous les touristes veulent savoir si les antiques fours à pain servaient à faire des pizzas, 1500 ans avant la découverte de la tomate. Depuis la chute de l'Empire romain, on ne parle plus d'impérialisme italien, et pourtant pas un pays n'y échappe, disait déjà l'acteur Vittorio Gassman. Le sourire de la Joconde, les Madones de Raphaël, l'opéra italien, la Vespa sans oublier Othello, Roméo, Sinatra, Minelli, et bien sûr la pizza. À Pompéi, il y a 2000 ans, il n'y avait pas de pizza, mais il y avait la fougasse. La fougasse était arrivée car les Romains qui avaient conquis le monde ramenaient avec eux les plats traditionnels des régions assujetties. Ils ont ramené la fougasse d'Orient et d'ailleurs. C'était un plat pauvre. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait qu'un peu de farine et un peu d'huile. Bien sûr, ils l'ont ramené, mais ce n'était pas de la pizza. C'était de la même famille, puisque c'était un pain plat, mais il n'y avait pas de garniture et ça ne constituait pas vraiment un repas. La pizza, telle que les Grecs l'ont conçue, c'était un vrai repas. Tout est parti d'un mot grec, plakuntos. C'est une sorte de gâteau en forme d'assiette plate. Quand le plakuntos est arrivé en Italie, les Italiens l'ont appelé pizza. Le pizza était la partie grillée qui se formait sous le plakuntos. Par la suite, pizza s'est transformé en pizza. Platon parle de la pizza. Il décrit un dîner de pizza, peut-être le premier. Les gens mangeaient allongés, c'est ainsi qu'ils prenaient les repas. Ils mangeaient des pizzas, c'est-à-dire des gâteaux au fromage avec des olives et des restes tels que des oignons. Bien entendu, il n'y avait pas de tomates à l'époque. Il décrit des pizzas. Ce sont donc les Grecs qui ont introduit ce genre de pizza dans le sud de l'Italie dans les années 600 avant Jésus-Christ. Naan indien, mazzo juif, blini russe, shawarma arabe arrivé jusqu'en Sicile, autant de cousins qui tourmentent les historiens et fascinent les cuisiniers. Mais le mot lui-même, celui qui rendra le plat célèbre, il faut le chercher à Gaeta, petit évêché au nord de Naples. Voici un parchemin qui date de 997 après Jésus-Christ. Il s'agit d'un contrat de location entre l'épiscopat de Gaeta et des citoyens qui voulaient louer un moulin. Le document est en latin, car à l'époque, la langue italienne n'existait pas encore. Mais on y trouve un néologisme. On peut y lire distinctement le mot pizze. Chaque année, le jour de la Noël de Notre Seigneur, vous et vos héritiers devrez faire parvenir à nous et à nos successeurs, au titre de loyer de l'épiscopat susmentionné et sans aucune récrimination, 12 pizzas, une épaule de cochon et des rognons, et également 12 pizzas et une paire de poulets le jour de la Sainte Pâque de la Résurrection. Nous faisons cette concession irrévocablement. On estime que c'est un mot du jargon populaire. Peu de temps après, on aura les premiers rudiments de la langue italienne. Et quel mot ? Deux syllabes toniques, un P porteur et ce mystérieux double Z,
un logo en soie 1000 ans avant la naissance de la publicité. Pizza Regina. Chaque année, début avril, la petite ville de Salso Maggiore, près de Parme, accueille les championnats du monde de la pizza. C'est un peu comme au patinage artistique ou aux Oscars, il y a la pizza la plus rapide, la meilleure, la plus belle. Ne peuvent concourir que les pizzaioli en tenue avec couvre-chef. Le règlement précise qu'il convient d'éviter tout baroquisme, tout ingrédient doit être comestible. Le rouleau est sacrilège, les prix sont remis par Miss Italia, les décisions du jury sont sans appel. Participant à cette édition, Dubaï avec sa pizza halal et la Bulgarie. Seuls en costume, les Napolitains qui veillent sur la température et la tradition. C'est une ville dans les Estados Unis de Pittsburgh qui est famosa pour un sandwich Philly cheesesteak. Lui a preso quell'ingrediente de quell'ingrediente per fare questa pizza. Ok, pizza sandwich. Alza un po' la pizza. Ci alzi un attimo la pizza per farci vedere la cottura. Non c'è la cottura. Can you see? Okay. All'inizio non so se hai notato, la sento il profumo, ma poi mandando. D'abord, vous l'avez peut-être remarqué, je sens l'arôme. Mais lorsqu'on avale un morceau, ces arômes remontent. Je vérifie ainsi s'ils se marient bien. Si un arôme domine, il y a disharmonie. C'est comme si dans un orchestre, un violon jouait trop fort par rapport à un autre instrument. Il n'y a plus d'harmonie. Pizza, 4 Jahreszeiten. A quando sto benessere, la gente pensa a spendere. E mo pure il più povero, lo senti come no. Voglio una pizza a vongola, piena di funghette e ostriche, con gamberette e cozze del mare di sta città. A centro poi ci voglio un uovo fatto alla cocca. E con il liquore stocco la vita annaffia. Quando sentiamo st'ordine, ci viene il canastizio. Pensiamo a massi pizza, sono papocchi, ok? Sì, il pizzaiolo era... Il pizzaiolo ha toujours été le métier de la débrouille. Se tu la guardi, questa è quella libera... Vous voyez cette spatule? Ça ressemble à ce qui sert à faire du plâtre. Questa è la famosa stufa. Et voici la célèbre stufa napolitaine dans laquelle on transportait les pizzas. Vous voyez, j'ai enlevé ma casquette. Pourquoi? Avant, quand on portait les pizzas à domicile, il fallait mettre ceci. C'est un torchon qu'on met comme ça. Puis, on mettait la stufa sur la tête. Car bien entendu, les pizzas étaient chaudes. Et on apportait les pizzas à domicile. C'était le système classique napolitain, une sorte de précurseur de pizza à domicile. Prosciutto, jambon, pomodoro, tomate, mozzarella et funghi. Et champignons. Olio, et bien entendu de l'huile d'olive. La pizza Giovanni. La pizza Giovanni. Le prénom de mon père. Papa était pizzaiolo et mon grand-père était pizzaiolo. Naples, c'est la Mecque de la pizza.
Ici, chaque porte de la ville a sa pizzeria et chaque pizzeria a son histoire. Il y a la famille aux 21 frères et sœurs, dont 20 pizzaioli. La pizzeria dont le chef a cuisiné pour Kadhafi, celle qui envoya une délégation servir le Vatican, celle chez qui mangea Clinton, celle où Sophia Loren tourna un film célèbre. La pizza est le coupe-faim des pauvres et le vice des riches. Au XVIIIe siècle, elle se vend à crédit. Une pizza à 2 sous nourrit une famille. Les nobles la préfèrent sucrée. Les plus miséreux se contentent des croûtes. Io mi ricordo che mio figlio prima di dire mamma disse Margherita, la prima parola. È figlio della Margherita. In molte pizzerie che hanno deciso di fare la pizza come un piatto di lusso, dei nomi tradizionali, storici, antichi, si sono persi, solo per darsi quel tocco di aria, voglio dire. Quando poi quella è una margherita, la bisogna si deve, mantenere la tradizione, questo siamo d'accordo pure io, bisogna mantenere la tradizione della vera pizza. Dobbiamo innovarci ad avere nuovi gusti, non dobbiamo dimenticarci. Non esiste a Napoli una pizzeria che non abbia mantenuto la tradizione. Sì. L'impasto napoletano è solo acqua, lievito, sale e farina, e basta. Alla fin du 19e siècle, cette pizza du peuple a même participé à l'unification italienne. En 1889, en effet, pour s'attirer les bonnes grâces des fiers napolitains, le nouveau roi et la nouvelle reine d'Italie invitent le plus célèbre pizzaiolo de la ville au château. Alors le Raffaele Esposito en question et sa femme Brandi ont mis de la mozzarella sur la pizza avec de la tomate et du basilic. C'étaient nos couleurs, les couleurs de la patrie. Blanc, rouge et vert, le drapeau italien. Lorsqu'on apporte le plat à la reine, elle est enthousiaste. Elle dit, c'est magnifique, ce sont nos couleurs. À vrai dire, je n'y crois pas trop, parce qu'elle ne parlait pas un mot d'italien, elle parlait seulement français. En tout cas, c'est la légende. Et à partir de 1899, cette pizza a fait le tour du monde avec le nom de notre auguste reine, la première grande reine d'Italie. Pour défendre cette merveille, il existe même une police de la pizza et une appellation contrôlée « vraie pizza napolitaine ». Comme le dit le patron d'un de ces temples dédiés à la Margherita, tout le monde joue au ballon, mais il n'y a qu'un seul Maradona. Ici, la pâte reste à peine 2 minutes au four, légère, saine, al dente. Ça se rispetta regola facendo una vera pizza, quella che è nata a Napoli quasi 100 anni fa. Questa ricetta antica si chiama Margherita, che quando è fatta arte, poi di 99. Perciò non è cercato di pizza complicata, che fa una mala sacca, che stiamo come dire. C'est cette pizza que l'apprenti boulanger Lombardi implanta à New York dès l'âge de 16 ans. C'est elle qui fit la fortune de millions d'Italiens partis émigrer par village entier. La pizza est un ascenseur social. Dans les années 50, Don Gennaro retourne souvent s'approvisionner à Naples. Impossible d'importer l'eau et l'air, mais tomates du Vésuve et autres produits locaux sont affrétés par bateau entier. De quoi alimenter le restaurant repris par son fils, Giovanni. Mais déjà, la pizza n'est plus seulement napolitaine. La vache va remplacer le buffle, le charbon le bois, la pâte bien cuite l'al dente, l'industrie, l'artisanat. Aux États-Unis, les premières pizzerias se sont ouvertes en face des écoles. Devant chaque école, un immigré italien ouvrait une pizzeria. Les mères donnaient 25 cents à leurs enfants en disant « Achète 2 parts de pizza et un soda pour ton déjeuner. » Surtout devant les écoles catholiques. Les bonnes sœurs laissaient faire, en particulier le vendredi, jour où on n'avait pas le droit de manger de viande. Voilà avec quoi je cuisine, avec quoi je fais du feu.
Après la Seconde Guerre mondiale, les soldats y ont pris goût. Ils avaient découvert la pizza en Italie, et en revenant aux USA, ils en demandaient. Alors la pizza s'est répandue depuis ce quartier. Les garçons qui travaillaient pour Gennaro, après quelques années, partaient ouvrir leur propre pizzeria, et ça s'est ramifié comme un arbre. L'un s'installait à Brooklyn, l'autre à Long Island, un troisième dans le Connecticut, et ainsi de suite à travers tous les États-Unis. Ils avaient tous immigré d'Italie, parrainés par mon grand-père. Sans un emploi ou quelqu'un qui te parrainait, c'était impossible de venir. Il leur disait, « Vous venez à Little Italy et vous travaillez pour moi. Vous habiterez à l'étage, je vous donnerai un petit salaire, je vous nourrirai. » Ils restaient 5 ou 10 ans, se faisaient de l'argent, puis partaient ouvrir leur propre pizzeria. Selon les critères du minimum vital aux États-Unis, être américain aujourd'hui, c'est avoir accès à la pizza et au coca. Il y a la pizza new-yorkaise classique, cuite uniquement dans des fours à charbon ou à bois, jamais vendue en parts. Il y a la grande pizza new-yorkaise, vendue en parts, commercialisée de façon totalement différente. Il y a la pizza de Chicago, apparue au début des années 40, et spécialement conçue pour le goût américain, avec une épaisse croûte de blé et beaucoup de garniture. Chaque pizza pèse quelques kilos, c'est particulier au Midwest. Puis il y a toutes sortes de pizzas régionales. La pizza barbecue, la pizza Texas, la pizza chili, et ainsi de suite. Les Américains sont toujours prêts à essayer des nouveautés. Pizza Speck. Las Vegas est la capitale de l'argent, du péché, du futur et des dîners pizza topless. C'est ici qu'a lieu la grand-messe annuelle du pizza business, lieu de rencontre des petits indépendants et des méga-chaînes. Boîte dernier cri, assurance pour pizzaioli, guidage satellite pour livreur, il y a de tout à la Pizza Expo. Ersatz de mozzarella, décoration pour taxi, pizza aux oméga 3, sans oublier les bains moussants parfum pizza. Et il y a chef Bruno Santo. This is like a baby, you gotta treat it like a baby. Let me show you a couple good things over here. Salad, you're great. Salad, you're great. Take a break, Salad. How you doing, guys? Grande cheese. I heard that Reggiano's the best cheese. Now you tell me this is the best. Go ahead, take a bite. How many grams do? Morena. Morena, Bruno. It's a cinnamon streusel pizza. We over here have an apple. We have here is a black forest. All of them very inexpensive and very, very customer friendly. It's a free enterprise. C'est la libre entreprise ici. Tout marche. On ne fait obstacle à rien. Si on veut ouvrir 10 pizzerias, il n'y a pas de problème. Si on veut ouvrir en face de quelqu'un d'autre, il n'y a pas de problème. Je sais qu'en Italie, il y a des problèmes. Ils viennent te voir et te disent de dégager, pas ici. Celui qui a le plus de poudre tire les plus grosses cartouches. Tu vois ce que je veux dire? La plus petite pizzeria dans ce pays gagne $1 million. En Italie, pour gagner $1 million, une pizzeria doit marcher 10 ans. Les Italiens font les jolis cœurs. Ils mettent leur petit slip de bain, veulent être élégants, faire du cinéma, et si on se fiche de tout ça. Tout ce qui compte, c'est la caisse enregistreuse.
à la fin de la soirée, je veux compter mon argent. C'est comme ça. Si la pizza est bon marché, coût de production entre 50 centimes et 3 euros pièce quand le fromage est abondant, c'est aussi un marché formidable. Dans les allées de Las Vegas, les candidats à la fortune se bousculent. Les arrière-boutiques, elles, restent souvent aux mains des Italo-Américains. Dino, Dino, this is the king of tomatoes. Viene qua, viene qua. Parla, come parla, cosa? Cosa si dice? Lui è toscano. Questo è un film toscano? La Francia. Francia? Sì. I pomodori, i pomodori sue sono i migliori. Io ci ho spiegato perché la terra, tutte queste cose. Bravo, fatto bene, ti voglio bene. Complimenti. Ciao, ciao. Le soir, les nombreux séminaires permettent à chacun de découvrir les meilleurs procédés de vente. Officiellement, un Italien consomme 5 kilos de pizza par an, un Américain 15 kilos, un marché de 32 milliards de dollars, soit 350 tranches mangées par seconde, 50 terrains de football par jour, bien plus que de hamburgers. Lorsque nous sommes arrivés d'Italie dans les années 60, plusieurs enseignants ont dit à tout notre groupe: vous n'arriverez jamais à rien. Vous voyez un peu, vous n'arriverez jamais à rien. Ils avaient tort. Al Pacino, la star de cinéma, vient de la même école que moi. Robert De Niro vient de la même école que moi, à Brooklyn. John Travolta vient de la même école que moi. Ces enseignants américains avaient tort. Nous avons tous réussi. Si dans le monde entier on suit attentivement le coût du baril de pétrole, dans le monde de la pizza, on suit attentivement le coût de la mozzarella. Lorsque le prix du lait monte, le prix de la mozzarella monte. Lorsque le prix du lait baisse, le prix de la mozzarella baisse. Désormais, il y a même un outil financier à la disposition des propriétaires de pizzeria auprès de la Bourse de commerce de Chicago. Cela leur permet de se protéger contre les hausses brutales du prix de la mozzarella. Je suis contre le fromage congelé, voilà. C'est pas bon pour le fromage. C'est pas bon pour le fromage. On tue le fromage en le congelant. Il y a plein d'eau dans le fromage congelé, n'est-ce pas? C'est exact? C'est exact. Cela dit, on est aux USA. Tout marche ici. Ça économise beaucoup d'argent. Personne ne veut la même quantité de tomates. Il y en a qui en veulent plus, d'autres moins. Et à la fin de l'année, centime après centime, on a économisé des milliers de dollars. C'est comme ça. Comme la métallurgie ou l'informatique, l'industrie de la pizza a connu sa phase de mécanisation, de concentration, de marketing et de standardisation des produits, toujours plus vite, toujours plus performants. Il faut fidéliser les consommateurs avec des produits réguliers. Née en 1957, la pizza surgelée dégage aujourd'hui la plus grosse marge de tous les produits froids. Ce n'est pas de la restauration rapide, c'est de la bonne restauration faite rapidement. La pizzeria fait beaucoup d'argent avec ses petites ailes. Ce sont des morceaux de poulet qu'on appelle ici ailes de buffle. Les buffles n'ont pas d'ailes, mais on les appelle comme ça parce qu'ils viennent de Buffalo, dans l'état de New York. La grosse dépense, c'est la main-d'œuvre. Un bon pizzaiolo gagne ici 1 000 dollars par semaine, c'est-à-dire 4 000 dollars par mois, ce qui fait 50 000 dollars par an. Si on achète ces machines, on n'a plus besoin de ces gens. Avec 20 000 dollars, on achète une de ces machines, faites le calcul.
C'est ça le problème de ce pays. L'automatisation, les machines, rien que les machines. Et les gens sont au chômage. J'ai de la chance. Je peux prendre ma retraite quand je veux. Je travaille parce que ça m'amuse, parce que j'aime ça. Mais pour les jeunes, ça va être dur. S'ils n'ont pas leur propre pizzeria, ils vont être hors circuit. Meatball pizza. Lors des 12 soirées de printemps, les Napolitains sont à milieu de ces guerres économiques et des montagnes contemporaines de pizzas empaquetées, industrielles, surgelées. Ici, la pizza reste le secret que les parents sont fiers de transmettre à leurs enfants. Le pain du Sud, le stimulateur de convivialité, le pacificateur des tensions familiales, l'âme méditerranéenne du vendredi soir. Le petit rêve gastronomique des pauvres qui ne pouvaient se payer ni viande ni macaroni a conquis le Nouveau Monde, devenant à la fois emblème et gagne-pain. Gennaro n'oublia jamais l'art de ses maîtres napolitains. Il aimait manger parce qu'il aimait sa famille, son fils pizzaiolo, le partage, les gens qui s'embrassent. Même riche, il caressait sa pâte et exigeait de ses employés de ne jamais la maltraiter. Comme chantait à l'époque Dean Martin, le crooner de Las Vegas, quand la lune te tape dans l'œil comme une immense pizza, c'est l'amour. Dans ces laboratoires de Bretagne fut inventée la célèbre pizza ovale, best-seller de Sodebo, le numéro 1 français de la pizza industrielle. Ici, tous les moyens sont bons pour sentir les tendances sans trop les devancer. Voyage d'études en Italie ou aux États-Unis ou test qualitatif. L'enjeu, c'est de surprendre sans inquiéter. Il manque un peu de garniture. Ouais, un peu de garniture et je pense que la pâte était aussi un peu trop sèche sur les bords. La pâte, on la verra avec Jean-Louis après, comme c'est lui qui fait la pâte. Par contre, en garniture. Alors, il faut innover, innover, toujours innover. Ouais, c'est ça, il faudrait qu'on mette un peu plus de jambon et peut-être un peu plus de beurre pour relever le goût de la garniture. Ils l'ont trouvé un peu fade, ouais. Sur le marché de la pizza, changer un ingrédient, c'est déjà créer un nouveau produit. Toute innovation est d'abord testée à l'aveugle par des panels représentatifs chargés de juger goût, taille, nom et aspect des pizzas, sans oublier le packaging. On a des pizzas nouvelles ou des goûts nouveaux tous les ans. Alors qu'il y a 30 ans, la pizza, elle a fait 10 ans, quoi. Donc c'est vrai que ça va très, très, très vite. Puis on est quand même sur des gros marchés, il ne faut pas se le cacher non plus. Donc tout ce qu'on fait ici, on le préserve et on le cache bien jalousement dans notre labo, parce que dès que quelqu'un peut vous piquer une idée quand même, ça se fait très, très vite et plus vite qu'on croit. On parle d'intelligence économique et d'espionnage industriel. Mais ça n'existe pas que dans les technologies de pointe, ça existe dans toutes les industries. On sait qu'il y a des pays étrangers qui viennent nous voir, qui sont champions aussi de ce type de pratiques.
Pizza de abacaxi com banana. Au championnat du monde de la pizza, la partie décoration occupe certains concurrents pendant des mois. Eau, farine, tomates, fromage, dans cet étonnant ballet, la simplicité n'empêche nullement la créativité. Miracle de la pâte, chacun peut modeler son identité, son monde ou ses rêves, questionner les formes autour de soi, créer. L'arbre représente la vie du Christ, la naissance, la cabane, la mort et la résurrection. La branche perd ses feuilles pour symboliser le deuil, avec la Madone qui pleure et le Christ sur la croix. En haut, l'arbre se couvre de feuilles. Ce sont des feuilles dorées qui représentent la résurrection. Le blé est le symbole de l'Eucharistie, de notre foi chrétienne. Pourquoi pas ? Geste ancestral ou hobby du dimanche, chaque année, grâce à la pizza, l'imaginaire collectif est au pouvoir. La mondialisation de la pizza suit d'étranges chemins. Ce buffle, par exemple, aurait été importé d'Inde en Italie il y a 14 siècles, lors des grandes invasions barbares. Depuis, il fournit le lait de la meilleure mozzarella. Multinationale et marketing aidant, la mozzarella retourne aujourd'hui en Inde sous forme de pizza. Une pizza adaptée et finalement adoptée. Pizza Hut a plus de 12 000 restaurants dans le monde, dont 4 500 sont hors des États-Unis. Nous sommes présents dans 85 pays. Nous faisons tout pour adapter notre offre au goût de chaque pays. En Inde, par exemple, où notre slogan publicitaire est que nous sommes une marque internationale avec une âme indienne, nous avons une série de thèmes typiquement indiens, comme la pizza au poulet tandoori, qui est fabriquée et vendue uniquement en Inde. Toutefois, l'infrastructure en Inde est relativement sous-développée. Le processus de distribution est lent. Tout cela nous a posé des problèmes logistiques. La population est en grande partie végétarienne. Il faut assurer à ces consommateurs qu'il n'y a pas de contamination indirecte à la cuisine, que la section végétarienne et la section non végétarienne sont bien séparées. La combinaison de recettes très traditionnelles sur nos bases de pizza fonctionne très très bien. Et c'est pour ça que nous avons lancé la pizza tartiflette, qu'en Inde, ils ont lancé une pizza avec une sauce tandoori, qu'en Corée, ils ont également des recettes typiquement coréennes. Par contre, il ne faut pas essayer en Corée de vendre la pizza tartiflette. Et moi, je n'ai aucune chance de vendre les pizzas coréennes sur ma carte. Par contre, quand je discute avec mes collègues, on voit des grandes similitudes. Et c'est justement cette approche, finalement, complètement décomplexée du consommateur par rapport à la pizza. Ma perché loro forse non volevano la pizza napoletana, eh? Ma di come stai parlando? Non la conoscevano, non la conosce. Perché tu devono velocizzare solamente quello che è il business. Sicuramente. Ecco. Ma tu pigli a me, ad esempio, io sono stato 6 anni in Grecia, ho creato la pizzeria napoletana, ho fatto le pizze napoletane, certo, adeguandomi certo, solamente con il fior di latte, che non certo, c'era, né fior di latte, né mozzarella, certo, però in quel momento io facevo la pizza napoletana. Ma che tu sei un pizzaiolo napoletano tramandato in Grecia. Non volevo fare. Però è successo che nel periodo in cui il napoletano. No, ma io l'ho fatto pure in Giappone. In Giappone sì, ho fatto. Ma sei un pizzaiolo. Aujourd'hui, les pizzas arrivent plus vite que la police. La pizza est le miroir de soi. On met dessus ce qu'on est. Sauce de haricots noirs au Guatemala, coriandre et crabe en Thaïlande, poulet barbecue aux Bahamas, gingembre macéré en Inde, thon et maïs en Angleterre, crème fraîche et magret de canard en France, sardines, thon, maquereau et oignons mélangés en Russie, poulpe au Japon, chou fermenté en Corée, et à Hawaï, hélas, de l'ananas. Depuis que le rideau de fer est tombé,
les plus illustres personnages y ont succombé. Amateurs de pizza de tous les pays, unissez-vous. Это Горбачев. Это из-за него у нас в экономике бардак. Да благодаря ему у нас новые возможности. Полный хаос. Перспективы. Да благодаря ему у нас есть Pizza Hut. За Горбачева! За Горбачева! За Горбачева! Nothing brings people together like a nice hot pizza. Commandée au début des années 90, cette célèbre publicité rapporta une coquette somme à l'ancien dirigeant de l'Union soviétique, mais ne fit guère décoller la pizza en Russie. Et pourtant, la pizza est un plat éminemment politique. L'ONU n'est pas loin, sur la 42e rue. J'aimerais qu'ils me commandent des pizzas lors de leur réunion. Ce serait un premier pas pour rapprocher tout le monde. Car la pizza est devenue un plat universel. Ça pourrait être le début d'une entente générale. Vous pouvez le dire, je le pense vraiment. À Washington, le Pizza Index est un indicateur politique fiable. Il permet aux livreurs de prédire l'imminence d'un conflit en fonction des commandes. Le calcul est simple. Plus la crise est grave, plus les équipes gouvernementales restent tard au bureau, plus elles consomment de pizza. Record actuel de la Maison-Blanche et du Congrès, la procédure d'empêchement contre Clinton. Clinton et Monica Lewinsky, qui s'étaient d'ailleurs rencontrés la première fois autour d'une pizza. Quant au Pentagone, le record de la première guerre du Golfe tiendrait toujours. Quand les choses vont mal, il paraît que les gens demandent plus de fromage. En 1966, lors de la guerre au Vietnam, je me suis engagé. On m'a envoyé dans la ville de Karat, en Thaïlande. Une femme y tenait une petite pizzeria, elle faisait une excellente pâte. Tout d'un coup, j'étais dans la cuisine de ma grand-mère. Pendant une heure, j'étais chez moi. Voilà ce que j'ai ressenti là-bas. Ce site internet est destiné aux soldats israéliens. Par un simple clic de souris, il permet de faire envoyer des pizzas pour un jour ou un mois, tarif entre 16 et 270 dollars, à un conscrit, une patrouille, une section ou toute une compagnie stationnée sur le Golan. Une bonne pizza remonte toujours le moral. Récemment, un pilote anglais a même utilisé son hélicoptère de combat pour livrer une pizza 4 saisons à sa petite amie. Coût de la course pour le contribuable, 18 000 dollars. À Pékin, les Chinois sont eux aussi persuadés d'avoir inventé la pizza sous le nom de Xiangbing. Sur la pâte, le yin et le yang forment un équilibre céleste, le feng shui contribue à l'harmonie parfaite entre poivron et salami, l'ouverture économique et la fin du maoïsme ont fait le reste. Dans un des derniers vieux quartiers de la capitale, le restaurant Passby propose depuis 2001 une douzaine de pizzas différentes. Personnellement, je n'aime pas trop la pizza. Mais un soir, un ami américain est passé dans mon bar. C'est un auteur dramatique. Il maîtrise bien la langue chinoise. On était en train de bavarder. Il m'a demandé si j'avais remarqué les Ouïghours chinois venus de la province de Xinjiang qui vendaient des brochettes de mouton dans la rue. Cela m'a donné l'idée de changer la garniture des pizzas. Pour faire par exemple une pizza aux brochettes de mouton rôti. J'ai demandé à mon ami américain s'il était prêt à goûter une telle pizza. Il m'a tout de suite répondu, bien sûr, pourquoi pas. Tout au début, nous avons fait venir un consultant. C'est un grand chef de cuisine italienne d'un hôtel 5 étoiles. C'est lui qui a formé nos cuisiniers. J'ai moi-même assisté à toute la formation. Outre son goût mouton, le Passby propose aussi une pizza au canard laqué. Et si la pizza au thé au jasmin ne figure pas encore à la carte,
C'est uniquement parce que le four a tendance à brûler l'arôme. La pizza ressemble un peu au jiangbing, un type de galette traditionnelle chinoise. La seule différence, c'est que nous mettons la garniture à l'intérieur de la pâte, alors que pour la pizza, la garniture se met sur la pâte. À l'intérieur, la garniture reste invisible aux clients. Cela éveille leur curiosité. La pizza, au contraire, est toute ouverte. On peut voir tout ce qui se trouve sur la pâte, le mouton, la tomate, etc. À mon avis, pour un pays comme la Chine, un pays qui s'ouvre aujourd'hui au fur et à mesure, la pizza a une signification toute particulière, celle de cette ouverture vers l'extérieur. J'ai l'impression qu'on pourrait mettre plein de choses différentes comme garniture de pizza, comme si on pouvait mettre en pratique plein d'idées nouvelles. Ainsi, la pizza s'est imposée dans une culture du riz, sans olives et tradition de fromage. Pour les grandes chaînes, c'est là qu'il faut être. Nous faisons beaucoup de marketing et les managers locaux ont eu l'idée d'offrir une image un peu plus raffinée que chez nous. Les restaurants sont presque des restaurants chics. Nous avons parlé d'une aventure 5 étoiles pour un prix 3 étoiles et ça a décollé. Pour les jeunes, ces restaurants sont devenus des endroits très in. Une fois de plus, le melting pot culinaire a fonctionné. Les Chinois se sont éveillés, à la pizza comme au reste, à Shanghai comme ici, à Little Italy. C'est fini. Little Italy n'existe plus. Il n'en reste plus qu'une infime partie. Quand je suis né, c'était très vaste. Il y avait des dizaines de milliers d'Italiens. Tous ces immeubles abritaient des familles italiennes. Aujourd'hui, il ne reste plus grand monde. Nous partons et les Chinois nous remplacent. C'est un cycle. Dans les cuisines, les Mexicains ont remplacé depuis longtemps les Italiens. Les descendants de Lombardi se font rares. Et rares sont ceux qui, comme Don Gennaro, dépensent encore leur argent en aidant les orphelins de Rome ou de Naples. Le dernier descendant, c'est peut-être Giuliani, le maire d'origine italienne de New York à l'époque du 11 septembre. Mais les temps changent. Giuliani, lui, s'est fait un nom comme procureur en luttant contre la célèbre Pizza Connection, la mafia américaine qui vendait sa drogue et blanchissait son argent dans les pizzerias de province. J'ai fait partie de la Pizza Connection. Comment j'en ai fait partie? Je vous ai raconté que le gouvernement n'avait aucune idée de l'argent que rapportaient les pizzerias. Nous gagnions beaucoup d'argent, et beaucoup au noir. La Pizza Connection était-elle liée à la mafia? Oui. Bien évidemment. Beaucoup de gens se sont fait avoir parce qu'ils ne payaient pas leurs impôts. Et j'étais l'un d'eux. Et nous avons été punis très durement. Je n'oublierai jamais. Il y en a beaucoup qui sont toujours en prison. Ils tiennent le fromage, ils tiennent les tomates, ils tiennent l'huile d'olive. Restons-en là.
loro vogliono sapere il segreto, che non c'è. Che non c'è un segreto, il segreto non è solo il sacrificio. Non c'è il segreto. Il segreto della vera pizza è un sacrificio. Il segreto è creare quel rapporto con la pasta. Bravo. Tu crei in quel momento, col tuo prodotto, un rapporto confidenziale. Sembra quasi una donna. Sì, tu te la curi, te la cresci, te la coccoli, te la carezzi. Io quando prendo la magnotta accarezzo una... La pasta è femmina. Sì, sì, la sono d'accordo. La pasta è femmina. Come denominazione. Perciò il pizzaiolo è uomo. Guarda, non per il valore. Io se vedo un mio dipendente che prende la pasta e me la butta così, o ci mette o la tratta male, io divento la persona più nervosa del mondo. Pure io. Dico, stai, fermati. Se ti do 100 euro e tu li rompi, resto male, però fino a un certo punto, se prendi la pasta e me la butti o la tratti male, io divento un animale, perché c'è un rapporto molto profondo con la pasta.